pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve tous les quatre. Ouais. Parce que aujourd'hui, ce n'est pas les garçons qui vont choisir ce qu'ils font de leur journée. Ce n'est pas moi non plus. Mais c'est leur destin. Eh hey, mais regarde pas les papiers toi. C'est le destin qui va choisir la journée. Le destin. Il va y avoir plusieurs choix tout au long de la journée. Et le destin choisira à votre place. Deux choix pour ce début de journée. Alors mettez-vous deux. Alors comment vous faites? Soit à chaque fois il y en a un de vous trois qui choisit, ou vous choisissez tous chacun votre tour? Vous mettez d'accord ou il y en a un qui choisit, ensuite la prochaine fois c'est l'autre, la prochaine fois c'est l'autre? Alors là c'est Tino, après ce sera Lenny, après ce sera Cody. Attends, j'ai reçu ton bulletin. Attends, choisis ton destin. Wow. Alors Tino, tu as le choix pour ce matin. J'ai reçu ton bulletin. Choisis ton destin. Les deux vont te plaire de toute façon. Ah ouais? Allez, vas-y, choisis. Je regarde les écritures. Ah bah non, faut, tu peux pas avoir derrière. Allez, vas-y, choisis. Attends. Jeu de société. Jeu de société, et l'autre c'était devoir. Devoir. J'ai vu le dé, je me suis dit. Donc. Les deux vont plaire. Bah parce que les devoirs t'adores ça, non? Oui. Oui. Mais est-ce que tu peux leur montrer donc. Un jeu de société? Ouais. Allez, c'est parti. On se fait un jeu de société avant le prochain choix. Bon, on a sorti notre jeu de société. On a sorti Badaboul. Donc, Badaboul, oui. Donc, c'est parti pour une partie de jeu de société avant de manger. Il est quelle heure? Eh bien, il est déjà midi 9. Donc, après, il y aura les propositions de repas, évidemment. Alors, qui va gagner, à votre avis? On vous dit ça juste après. Le but, en fait, c'est de mettre les boules sans les faire tomber. On vous dit à la fin qui a gagné, sans tricher. C'est la dernière boule de Tino. S'il la met, il a gagné. Lenny. C'est bon, j'ai gagné. Ok, bravo. Félicitations. On se serre la pince. Bon, Tino a gagné. On va passer au choix du repas. Attention. Bon, le jeu de société est fini. C'est donc Tino qui a gagné. Et maintenant, le choix va porter sur le repas. Donc, c'est à Lenny de choisir, si je me rappelle bien. C'est ça? Oui, c'est moi. Vous avez confiance en Lenny? Non, c'est moi qui ai la plus grande décision. Ne nous fais pas manger des légumes, hein. Ça se trouve, tu vas piocher des haricots verts. Bah, moi, j'essaie de piocher des trucs que t'aimes pas. Oh, alors attention. Attention. Lenny. Choisis. Ah bah non, c'est à toi de choisir. Je sais pas. Ça se trouve, il y a des légumes. Allez, Lenny. Non, s'il te plaît, il y a pas de légumes. Après, je pense que je vais prendre celle-là. Eh, regarde pas. Allez. Foufou. Ouais, voilà. Donc c'était sandwich ou... Pourquoi il l'a déchiré? Mais c'était sandwich ou... ou food court. C'est quoi un food court? C'est un repas où il y a plein de pays et tout. Il y a plein de restaurants. C'est un peu comme un grand magasin où il y a plein de... On a découvert ça où? À Dubaï. À Dubaï. Mais là, il y en a un qui a ouvert à Rouen. Donc, c'est parti, on va au foot court? Allez, go, on va! Let's go! Bon, nous sommes arrivés à Rouen. Donc, devant le genre de foot court. Donc, ça s'appelle l'entrepôt. Voilà. Et on va aller manger. Alors, on va voir si chacun mange des trucs différents. Mais qu'est-ce que tu fais, toi, derrière? Bon, du coup, on va manger. On se retrouve à table? Oui! Allez! Qui a faim? Moi! Moi, j'ai faim! Bon, aujourd'hui, avec les garçons, on teste un food court qui a à Rouen, à côté du skatepark de Rouen. Donc, du coup, on mange africain là. Ouais. Afro-cari. Spécialité afro-caribéenne. Donc, Cozy, il mange un mafé au poulet. Tino, mafé au poulet aussi. Et Lenny, un tiève au poulet. Franchement, c'est excellent. Eh, mais il y a trop de spécialités ici. Il y a indien, japonais, vietnamien. C'est une tuerie ici, je crois qu'on va revenir. Bon bah bon appétit les garçons. Bon les garçons, est-ce que vous avez bien mangé? Franchement, c'était excellent. Très bonne adresse à Rouen, l'entrepôt, food hall. Franchement, c'était trop bien. On s'est régalé.
Alors ouais, j'ai oublié de filmer en fait dedans, donc je vous mettrai un extrait de story. J'ai ah, mais j'ai même pas filmé ce qu'on a mangé. Donc du coup maintenant les garçons, autre choix, choix d'activité de cet après-midi. Attention, Cody, à toi de choisir. Je suis gaucher. Mais tu vois là. Non. Bon allez. Bon allez là. Oh, je suis mon découpé. Skatepark. Et l'autre c'était piscine. Oh, franchement, on aurait eu froid de ce temps-là. Ouais. Donc je préfère le skatepark. Ouais, ouais. Alors c'est parti pour le skatepark. Ouais. Allez, let's go, on y go. Allez. Bon, voilà. On est arrivé au skatepark, il fait très très froid. Très 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 froid. Hein? Ouais. Ouh, il fait froid ici. Dans l'espace parent, ça va parce que c'est chauffé, mais là... Après la séance de ride extrême, non, il faisait vraiment froid. On est resté une heure et demie, mais après il faisait vraiment froid. Donc nous sommes rentrés à la maison. À la piscine, ça aurait été quoi? À la piscine, ça aurait été quoi? Choix suivant pour le goûter. Attention, donc là, vous avez tous choisi déjà une fois. Donc, vous allez choisir tous ensemble. Non, vous allez choisir tous ensemble. Attention, vous êtes prêts? C'est pour le goûter, là? C'est pour le goûter. Ok. Ah. Celui-là? Lui. Non. Ah ouais, lui, vas-y. En plus, je suis pas droitiste. Pas de goûter. Attends, on va vraiment pas goûter. Bah non. L'autre, c'était un gros goûter. Je vous ai ramené à Donosti. Non. Et là, c'est pas de goûter. Bon, bah, j'espère qu'on va bien manger ce soir parce que... Bon, vous avez bien mangé ce midi. Vous pouvez attendre jusqu'à ce soir. Non. Bah, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Allez, à ce soir. Bon, les garçons, pour finir la journée, j'ai un dernier choix à vous faire faire. Ok? Attention. Il y a plus d'écriture par là, je crois. Choisissez. Je prends. Vas-y, ouais. Soirée, repas, soirée. Oh, c'est bien ça. Donc l'autre, c'était soirée resto. Vous auriez préféré quoi? Bah, en fait, ça, parce que... En fait, on sait pas ce qu'il y a. On mange plus resto, parce que... Ouais. On mange plus au lit. Donc... En fait, on sait pas ce que c'est. Donc, tu vois, c'est le suspense. Bon, alors, de toute façon, vous avez pioché soirée, repas, Netflix dans le lit. Donc... Vous pouvez vous mettre en pyjama, on se rejoint dans une heure dans le lit. Ok, ok. Ok, oui. Allez, à tout à l'heure, je vous prépare ça. Allez, go. Vous allez voir. Bon, c'est parti, je suis en train de préparer le repas pour Netflix dans le lit. Et je crois qu'ils s'attendent pas à ça en fait, parce qu'ils m'ont dit « Ouais, c'est bien, machin. » Mais je suis sûre qu'ils auraient préféré un resto, sauf que je suis en train de leur préparer plein de trucs que je mets sur des plateaux. Et regardez, regardez-moi ce qu'il y a dans le four. Bon, je crois qu'ils vont kiffer. Donc on se retrouve là-haut pour la surprise. Oh wow wow tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a. Wesh. Il y a un autre truc, c'est un buffet à volonté le truc. C'est un buffet à volonté là. Non, c'est devant les frites. Oh, les frites. Merci. Merci maman. Bon alors les garçons, cette surprise. Trop bien, trop bien. Hein, c'est mieux que le resto ou pas du coup? Oui. Bon bah bon appétit et puis bah on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ouais. Allez, gros bisous.